Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note: Objective-based introduction initialized. Welcome to Onboarding. First objective, please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note, Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV. On se retrouve pour une nouvelle série sur ce petit jeu qui est Satisfactory, qui est en Early Access pour le moment, qui vient de sortir il y a seulement quelques jours et qu'il me tardait vraiment, vraiment de découvrir avec vous. C'est vraiment ma première partie, je viens de lancer le jeu, donc je vais découvrir un petit peu en même temps que vous. Alors découvrir, j'ai déjà regardé 2-3 vidéos pour voir un petit peu de quoi ça parlait et pour être sûr que le jeu allait me plaire quand même avant d'investir les 30€. Mais quand j'ai vu de quoi il retournait, voilà, il n'y a pas eu photo. C'est, pour vous la faire courte, un Factorio, mais en beau. Voilà, vous voyez autour de moi, c'est juste magnifique, je peux me déplacer, donc c'est une vue FPS. Alors évidemment, les touches sont très mal configurées, je viens de lancer le jeu, donc il va falloir que je refasse ça, ça doit être en mode en anglais. Alors, je vois qu'on peut ramasser des plantes. Alors, je vais faire ma petite config de touches rapidement. Ok, voilà, c'est configuré. Donc, nous venons d'atterrir sur une planète inconnue. A priori, d'après ce que j'ai compris de mon assistante personnelle, je serai le troisième à avoir réussi à survivre à un atterrissage. Ça me semble curieux. Généralement, dans les jeux comme ça de survie, on est tout seul sur la planète et on doit se débrouiller. Alors, je vais être vraiment tout seul dans mon coin. Ah, j'ai encore une touche qui est mal configurée. Mais a priori, elle m'a dit là au tout début que j'étais le troisième. Donc, avec un petit peu de chance, on arrivera à trouver d'autres camarades. Je ne sais pas. Je sais juste que la map est absolument immense, qu'il y a différents biomes qu'il va falloir découvrir. Et pour l'instant, on va suivre un petit peu rapidement le tuto. Donc, elle va nous demander de démanteler notre pod d'arrivée. Donc, je vois en bas à droite que j'ai la touche F en raccourci. Voilà, un clic gauche et voilà, j'ai récupéré les parties nécessaires et son message arrive. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note: According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Alors, tab pour ouvrir l'inventaire. Effectivement, j'ai une petite arme qui va me permettre de me défendre
contre les bestioles qui sont sur la planète et qui ne sont pas toujours très sympas. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Donc, elle me demande d'ouvrir le scanner, donc C pour ouvrir le scanner, voilà, ça scanne, et je vais avoir des pings, donc 300 mètres, donc d'après ce que j'ai compris, c'est de l'iron, là-bas je vais avoir deux spots différents, et c'est tout, donc a priori là, de ce côté-là, il ne va pas y avoir grand-chose d'intéressant, donc on va plutôt partir par là, elle a dit que l'iron, donc c'est-à-dire le fer, va être absolument nécessaire à notre survie. Donc on va aller voir ça et on va essayer d'aller en récupérer un petit peu. Salut toi. Ok. Il n'a pas l'air bien méchant. Alors vous voyez, je vais commencer à ramasser un peu de plantes. Je sais que ce sera utile par la suite. Ça n'a absolument rien à voir avec Factorio. Hein. Là, c'est vraiment juste magnifique. La seule chose, c'est que je sais que le monde n'est pas fabriqué de manière procédurale. A priori, c'est tout le temps la même map. C'est juste un tout petit peu dommage, je trouve. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, je pense qu'on lui pardonnera facilement ce petit défaut. Donc, je vais essayer de me rapprocher de la zone de fer. Alors, il y a une cascade là-bas. 150 mètres. Je m'éloigne de celle qui est là-bas. Alors là-bas, il y en a deux. On va visiter un petit peu. Hein. Il y a aussi pas mal d'exploration dans ce jeu. Alors, pour l'instant, je ramasse tout ça. Il n'y a pas trop de bébêtes qui m'attaquent. On va en profiter. Il y aura également pas mal de recherches à faire hein, pour découvrir un petit peu tous les mystères de cette planète et de ses habitants. Tant en termes de faune que de flore, on pourra rechercher un petit peu de nouvelles technologies, ça nous apportera sûrement pas mal de bonus. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Voilà, c'est exactement ce qu'elle vient de me dire, qu'effectivement on a trouvé des plantes ou des fleurs, je ne sais pas si celles-là je peux les ramasser, non, et que des analyses un peu plus approfondies seront nécessaires pour retrouver à quoi ce sera utile exactement. Alors, où est-ce que ça a pingé? Là, 130 mètres. Je partais pas dans le bon sens du tout. Alors, vous voyez la bestiole là-bas, bah, c'est voilà, un habitant de cette planète qui a priori n'a pas l'air forcément hostile, en tout cas celui-là. C'est pas mal ici, il y a une grande plaine, il y a déjà pas mal de place pour construire. Ah, j'ai eu un truc. C'est moi ou j'ai eu un truc briller là-bas? Ah, alors. Pff, oula, c'est passé près. Voilà. Ok, donc je l'ai tué, j'ai ramassé une carapace. Alors j'ai vu briller. Alors, encore une bestiole. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Tourne en rond. D'accord. Voilà. Peut-être un petit peu buggé celle-là quand même. A priori quand même le jeu est tout à fait stable. Il y a très peu de bugs d'après ce que j'ai pu voir. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de l'iron, donc c'est du fer pur, très bien. Et ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi du fer pur, donc ça me fait deux filons. C'est pas mal du tout, ça me plaît plutôt bien, avec la grande plaine ici pour pouvoir construire. Il y a un autre filon là-bas, je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir. Alors, il y a encore une bestiole. Bon, ça va, elles sont plutôt faciles à esquiver, celles-ci. Ça a l'air d'être du fer aussi. Encore de l'iron pur. Ah. Voilà, ça va être plutôt facile. Et ici encore de l'iron pur. Donc ça fait 4 filons. 1, 2,
3 et 4 là-bas. Donc je pense qu'on est vraiment vraiment pas mal hein, pour s'installer. Déjà 4 filons à disposition. Honnêtement, je pense que c'est vraiment du luxe. Bon, presque trop beau pour être vrai. J'espère que les autres ressources que j'aurai à récupérer par la suite ne seront pas trop éloignées. J'ai pas envie de me taper des heures et des heures de marche. Ou après, plus tard, avec les véhicules, puisqu'on pourra avoir des véhicules dans un premier temps, des camions. Et a priori, à terme, alors c'est pas encore implanté d'après ce que je sais, mais on pourra également avoir des trains. Alors, c'est vraiment flippant, ces bestioles. Alors, on va commencer à récupérer un peu ça. Fourth objective, build the hub. Note, to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution, ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ok, donc j'ai pas tout compris là pour le coup. Mais d'après ce qu'elle a dit, donc les ressources que j'ai récupérées sur le pod avec lequel je suis arrivé vont être nécessaires pour construire le hub. Le hub, grosso modo, ça va être mon centre névralgique. C'est là où je vais avoir mon container de départ où je vais pouvoir stocker un petit peu des objets. Je vais avoir une table de craft, on va appeler ça comme ça grossièrement pour commencer, sur lesquelles je vais pouvoir faire des choses manuelles. Là-bas, il y a une grosse bébête brillante. On va aller voir ça. Et c'est là également que je vais pouvoir faire mes différentes recherches donc au niveau scientifique pour obtenir des informations sur la végétation et les animaux alentours et donc pouvoir me débloquer des recherches supplémentaires. Le gameplay est hyper agréable, honnêtement, là en termes de se balader, vraiment c'est très très sympa, c'est hyper fluide. J'ai pas du tout de lag. This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Donc elle me dit que j'ai trouvé un cristal a priori sur cette bête qu'il va falloir que je recherche. Donc j'ai deux filons là-bas, deux filons ici. Ce serait pas idiot de. Donc ça va être comme dans Factorio. Hein. Donc pour ceux qui connaissent, on va retrouver vraiment des bases. C'est-à-dire qu'on va mettre des fours pour fondre le minerai qu'on va récolter sur ces différentes plaques qui vont être récupérées avec des foreuses et les fours vont construire des lingots et avec les lingots de fer dans un premier temps puis après avec d'autres ressources comme le cuivre, je crois qu'il y a du soufre également, je sais plus exactement ce qu'il y a, le charbon ça c'est sûr, en fabriquant déjà des lingots, après on va pouvoir fabriquer des objets un peu plus évolués qui seront nécessaires après à combiner ensemble pour fabriquer des objets encore plus évolués et évoluer comme ça dans le jeu dans les différents tiers d'évolution. Mais il y en a 4 ici, j'avais vu que 2 en fait, mais il y en a 4. Ah non mais là c'est plus du luxe, là c'est juste énorme quoi. J'ai vraiment bien fait d'arriver et de m'installer par ici. Vraiment une bonne idée. Donc on va construire ça, on va construire le hub déjà dans un premier temps. On va finir de récupérer le fer qui est là. Ah, j'en ai 4 ici le long. Et après, là il y a l'air d'y avoir une falaise. On va regarder ça. Ça, c'est encore des baies ou des plantes. C'est juste magnifique, quoi. Honnêtement. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Donc, note pour plus tard, ne pas tomber. On dirait vraiment les chutes du Niagara, quoi. C'est vraiment génial. Je me demande ce qu'il y a en bas. Je me demande si on peut descendre. J'ai pas envie de sauter, hein, personnellement. On va éviter ça en début de partie. Mais... hop là, je dis ça et puis j'évite une crevasse. Du coup, ouais, ma base, mon usine va être limitée de ce côté-là. Dans ce sens-là, on va pas pouvoir s'étendre. Donc a priori, il va falloir partir dans l'autre sens. Ah, une nouvelle bébête. Salut. Tu m'attaques.
Oui, non, oui, non. Non, elle a l'air d'avoir peur. Ah, elle est trop rigolote, quoi. Les oreilles de lapin. Qu'est-ce qu'il dit? Apparemment. Apparemment, je pouvais l'apprivoiser. D'après ce que je vois. Ah, des nuts. Ok. This consumable possesses minor healing properties. Ah. Further analysis required to establish object scanner identification. D'accord, donc elle me dit qu'a priori les baies que je viens de ramasser, les nuts, auraient des propriétés de soins. Et qu'il me faudra donc les analyser, bien sûr, pour obtenir un peu plus d'informations. J'ai mes 4 filons de fer ici et j'en ai 2 ici. Donc tout ça, grosso modo, j'imagine que si c'est un petit peu comme dans Factorio, il va falloir faire énormément de fours. Et je sais déjà de base que les usines prennent énormément de place. Après, l'avantage d'être dans un jeu comme ça, c'est qu'on va pouvoir construire en hauteur et faire une usine à différents étages. Ce qui peut-être une bonne idée de faire par exemple des fours au rez-de-chaussée. Et après, les machines un petit peu plus évoluées au premier étage. Après, il ne va pas falloir non plus trop monter en hauteur. Du coup, mon hub, je le verrai bien de ce côté-là, dans un petit coin tranquille. Et là, j'ai quoi? C'est vraiment la visite, hein, pour le moment. Là, a priori, il n'y a pas grand-chose. Cette bestiole-là, qui se balade. Là-bas, il y en a une autre que je ne connais pas encore. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là, bonjour. Oh là, non, d'accord. Est-ce que je peux... Ouais, aïe. 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 Aïe, fait un peu mal quand même. Ok, c'est bon. Vous voyez ma vie en bas à gauche, j'ai pris quelques shoots. Ouais, ça pique un peu. Bon, note pour plus tard. Faire un petit peu attention à ces bestioles. Alors, ça c'est des plantes. Et ça c'est quoi? Ok, a priori je peux les récupérer. Mercer sphère. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça sert. Initial scans reveal an inner vein-like structure filled with liquid gallium. Purpose and origin unknown. Further analysis required to determine application. Ok, donc pareil, il va falloir que je fasse des analyses, hein, bien sûr, pour trouver à quoi ça sert exactement. Mais a priori, c'est une plante qui aurait des vertus anti-gravitationnelles, d'après ce que j'ai compris. Donc, est-ce que ça nous servira pour construire, je ne sais pas, des véhicules, peut-être, ou pour faire des améliorations sur certains bâtiments? Donc on a fait le tour de la plaine à peu près, c'est quand même pas mal. C'est quand même très très grand. Donc on avait dit que le hub, je le ferai par ici. Alors elle m'a dit, voilà, the hub, on va cliquer dessus. Alors, j'y vois que, voilà, c'est pas très très pratique. Alors, scroll up. Alors, ok, je peux tourner le hub dans ce sens-là. Hold left control. Ah d'accord, je peux l'éloigner un peu de moi. Ok. Ouais, c'est quand même plus pratique. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Retourne ton left menu. D'accord, ça c'est le clic droit. Clic gauche, on va construire. On va le mettre par là. Peut-être pas trop dans les plantes, mais allez, allons-y. Ok, on va quitter. Ok. Congratulations. Yes. You have unlocked hub feature manual craft bench. Hub feature hub terminal. Okay. Fifth objective hub upgrade storage and power. Note: the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Ok, donc ça ressemble pas à grand chose pour le moment, mais dans un premier temps, j'ai donc ma table de craft, hein, tout simplement, qui va me permettre de fabriquer des choses à la main, dans un premier temps. Donc, vous voyez, par exemple, comme j'ai récupéré du fer, je dois pouvoir faire des lingots, voilà. Ok, si je clique, ça crée des lingots.
Si j'arrête, ça s'arrête. Ok. Donc tout l'intérêt justement de d'automatiser tout ça, hein, bien sûr. Et donc après, j'imagine qu'avec les lingots, je vais pouvoir faire des plaques et des tubes. Les rods, ouais, c'est pas vraiment tube en fait, c'est des barres. On va dire des barres de fer et des plaques de fer. Donc je pense qu'il va falloir faire un petit peu de ça au début. C'est quoi cette lumière là? Il y a tout qui me fait flipper dans ce jeu. Alors que c'est juste magnifique, c'est juste joli. Ah d'accord. Ah, c'est peut-être elle, je pense, qui se reflète. C'est excellent. Honnêtement, je kiffe. Très honnêtement, je pense que je vais vraiment beaucoup aimer ce jeu. Voyons. Up terminal. Donc voilà. Là, c'est les différents tiers qu'on va pouvoir débloquer. Donc je suis au tier 0. All upgrade 1. Je vais avoir donc le craft bench, equipment workshop. Ça va être pour construire de l'équipement, ok. Le smelter, donc c'est le four. Des lignes électriques, un mineur portable, un xénozapper, donc c'est, je pense que ça va être le même que le mien, donc c'est au cas où je le perde. Le copper, c'est-à-dire le cuivre, avec lequel tu pourras faire des câbles, enfin des fils et des câbles. Et le scanner update pour trouver justement le cuivre. Ça me coûte pour faire... l'upgrade, ça me coûte 10 iron rod. Donc on va sélectionner ça. Ok, donc on va les faire à la main rapidement. Iron rod, je pourrais faire 38. Donc je suis large. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc là, ça doit être bon. Je mets les rods là-dedans. Ok. Upgrade. Yes, I. Ah, mais voilà mon coffre. Super. Alors j'ai accès à des nouveaux bâtiments, donc c'est ce qu'on a vu. You have unlocked hub feature biomass generator, hub feature personal storage, scanner feature copper. Ok, donc j'ai débloqué pas mal de trucs. Which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. Ok, donc le or on va le garder, les pétales. Est-ce que je peux cliquer dessus d'une manière ou d'une autre, ouais, avec un shift wood. Note, buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Ça, on va le garder. Ça, je vais pas en avoir besoin tout de suite. The smelting process and use portable miners for optimal results. Ça, on va attendre pour les recherches. Et ça, pour l'instant, j'ai pas de recherche, donc ça me sert à rien. Donc, je garde le minerai et les lingots. Et du coup, si j'ai bien tout compris, comment je sors de là, ça je sais pas. Ok, échappe. On va pouvoir faire une recherche. Ok, donc en maintenant C, je peux scanner sur l'iron ou sur le copper. Ah, je crois que j'ai fait iron là. Ok, et si j'appuie juste sur C, ça fait quoi? Est-ce que ça scanne tout ou pas? Ah, qu'est-ce que j'ai là-bas? J'ai dû faire aussi a priori. On va faire le copper. On va voir vraiment que le copper. Ah, alors oui, c'est légèrement vert et là c'est pas vert, d'accord. Ouais, on voit pas trop la différence, hein, même moi à l'écran. Donc 187 mètres de ce côté, donc ça va, c'est pas très loin. 650 mètres, c'est un peu plus loin. 650 mètres aussi. 614. Et c'est tout. Donc là, 187 mètres, j'en ai pas loin. Super. Il me demande de construire l'équipement de workshop et de crafter un mineur portable. Ok. De prendre le mineur portable et de le placer sur une ressource. De construire un four pour automatiser la production de lingots. Et d'utiliser de la biomasse pour utiliser... Voilà, ça doit être ça. Le générateur. Presse E, tout configure. No connection, ok. Et là j'ai quoi? Ah oui, la biomasse, donc c'est les plantes que j'ai récupérées tout à l'heure. Ok. Donc que j'ai mis dans mon container ici. Et pour débloquer par exemple le upgrade 2, il va me falloir quoi? Ah oui, il va me falloir du fil, donc du wire. Et après ça, je peux le faire avec le fer, donc il n'y a pas de souci. Donc du coup, il faut que j'aille récupérer du cuivre. Et donc... est-ce que je peux fabriquer... Alors, du coup, le craft bench. Ok, donc ça, je peux le faire.
Ça me coûte, vous voyez en bas à droite, 3 plaques de fer et 3 barres de fer. Je crois que je vais utiliser moins en anglais, hein, parce qu'à force, sinon ça va être compliqué. Le jeu est quasiment, on va dire, traduit à 80-90%, mais les termes encore, il y a certains termes qui ne sont pas traduits. Donc le smelter, c'est le four. Equipment workshop, craft bench, donc ça c'est celui que j'ai. Equipment workshop, c'est celui qu'il faut que je construise. Et au niveau power, je peux faire des power lines. C'est quoi des power lines? D'accord, j'ai pas de câble de toute façon. Ok, donc ça attendra. Donc on va pouvoir faire par exemple. Je vais faire quelques rods. Voilà. On va pouvoir faire des plates. Je crois qu'il m'en fallait 10, donc je ne vais pas en avoir assez. Donc on va faire du lingot. Donc on retrouve exactement les mêmes principes que Factorio. Hein. Au début, on se tape un peu tout à la main. Et petit à petit, on va pouvoir vraiment tout automatiser. On va faire une vingtaine, voilà, on va faire un peu de rod, une vingtaine aussi, voilà. Et du coup, donc j'ouvre le menu de construction, je mets Equipment Workshop, voilà, je peux le tourner. Donc là, j'imagine que je vais mettre mes fours avec tout ce que j'ai là, peut-être le début de mon usine par là, ou au-dessus. Du coup, le workshop, je pourrais peut-être mettre là juste à côté. Ou alors ici dans la continuité, ce serait peut-être un peu plus malin. Voilà, on va le mettre comme ça. Check. Est-ce que je peux... oui, hold, control left. Control. Ok, je vois pas trop l'intérêt pour le moment, mais... ouais, allez, on va le mettre là. De toute façon, on peut tout déconstruire, hein. Au pire, il n'y a rien de définitif. En déconstruisant, on récupère vraiment tous les éléments qu'on a utilisés pour la construction. A priori, rien n'est perdu. Donc, ça devrait plutôt bien se passer. Mineur portable, ok. Donc là, il va me falloir du câble et du wire et le xenozapper. Donc, j'en ai déjà, mais c'est pareil, il va falloir à peu près les mêmes éléments. Donc, il va me falloir du wire et du câble, donc du cuivre. Donc je vais aller chercher le minerai de cuivre que je vais avoir par là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc je fais ça, je vais aller... Non, c'est cette touche là, ok. Je vais aller récupérer le cuivre. On va aller voir ça ensemble. Je pense que je vais construire mes premières foreuses portables. Voilà, j'ai plein de trucs là à récupérer. Voilà, super. Ça sera pour alimenter les générateurs. Au début, il va vraiment falloir beaucoup. Oula, hop, 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 hop. Attention à ne pas tomber. Il est où mon cuivre là? Qu'est-ce que c'est? Encore un truc qui shine là-bas. Alors, on va refaire un scan. 60 mètres. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok. Donc c'est en bas. Ok, pourquoi pas. Et d'autres 600 mètres par là-bas. Ok. Donc c'est en bas. Il y a une bestiole. C'est pas trop grave. Je vais aller chercher le truc qui brille là-bas. Même si je pense que je risque pas de l'oublier, mais. Voilà. Alors l'autre était vert. Ça, c'est un jaune. Mais j'imagine que ça va être à peu près le même délire. Ah non, c'est un verre aussi, d'accord. Ok, ça c'est fait. Là-bas, il y a l'air d'y avoir une grosse crevasse aussi. Et après, j'ai deux, on va dire, deux petites vallées qui permettent de sortir de ce petit enclavement. Là, on mettra juste, je pense, la foreuse. Et tout ce qui est four, ce sera après au-dessus, je pense. Ce sera beaucoup plus simple. Ah mais j'en ai deux, d'accord. Il y a deux minerais. Il y a deux filons, pardon. Alors. On va s'occuper de la bébête. Elle m'a vu. Ok. Ça là, ça va. Alors, on fait le ménage. On récupère du coup le cuivre. C'est du pur en plus, c'est très bien. C'est impeccable.
Ok. J'ai pas vu, c'était du pur. Ah non, celui-là est impur. Celui-là est impur et celui-là est pur. Le filon, voilà. Ah non, c'est impur aussi, d'accord. Ah, c'est bizarre. Peut-être le filon qui était en haut était du pur et ça, c'est de l'impur. C'est pas trop grave pour commencer, je pense que ça suffira largement. Là, il y a du gaz, donc j'imagine qu'il faut pas s'en approcher. Ça me paraît d'une logique implacable. Là. Ok, donc je pense qu'il n'y a pas de fond. Hein. A priori, il n'y a pas de fond. Ok. Non, clairement, à mon avis, on ne peut pas descendre. Bon, au moins, ça délimite bien la zone de jeu. Donc, le cuivre, là, je l'ai récupéré. On mettra des foreuses ici pour récupérer ça automatiquement, qu'on fera remonter d'un côté ou de l'autre. Ou les deux d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que je peux courir? Oui, je peux courir. On va rentrer à la maison. Donc, vous voyez sur la map, sur la boussole en haut, c'est bien indiqué. Donc, au moins, on est sûr de ne pas se perdre. Ça, c'est l'avantage. Alors, il y a un léger cycle jour-nuit, d'après ce que j'ai vu, si je ne me trompe pas, qui donne de la vie hein, aussi à cet environnement. C'est quand même très sympa. C'est pas ce bench là, c'est celui-là. On va faire du copper. On va faire du lingot donc. Voilà, j'ai tout fait. On va faire un peu de fil. Donc ça monte assez vite. Et après, je peux faire du câble, d'accord. Donc je refasse du fil pour faire du câble. Jusque là, tout va bien, c'est logique. Il me faut quoi? Il me faut deux fils pour faire un câble, deux wires pour faire un câble. Ok. Ensuite, dans l'équipement de workshop, du coup, je vais pouvoir faire a priori ça. Voilà. Là, j'en ai fait une. Là, j'en ai fait deux. Ah, ok, je suis plein. Donc, je vais peut-être pouvoir vider ça dans mon coffre. Tout ce qui est plante, ça, c'est quoi? C'est du bois. Ça, c'est l'iron. Les flowers, on s'en fiche. Ça, je vais garder. Les carapaces aliens, je peux les enlever. Et ça, on va garder aussi. Donc j'en ai pu en faire deux. Je vais en mettre peut-être pour commencer sur le fer. Est-ce que je peux en faire plus que ça? Trois. Ok. J'en ai trois. J'en ai trois. Très bien. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Mettre un smelter. Et utiliser de la biomasse pour alimenter tout ça. Donc, on va pas s'embêter. Là, j'ai ce qu'il faut. Alors du coup, le filon là, ouais, d'accord. Le filon est impur ici. Là, j'en ai un autre. Il est impur aussi. Est-ce que là-bas, j'en ai du pur ou pas? Je crois que ça a une incidence sur le nombre de minerais qu'on récupère à la minute. Donc celui-là est impur. Celui-là est impur. Celui-là est impur aussi, décidément. Et celui-là est impur. Ok. Bon, j'en ai beaucoup, mais c'est que du impur. Donc tant qu'à faire, tant qu'à choisir, on va d'abord exploiter ceux qui sont le plus proche de la base. Ça fera moins de chemin à faire. Et du coup, comment je fais ça? On va ouvrir l'inventaire, j'imagine. Clic 3. Shift plus left mouse. Ok. Donc là, je l'équipe. Ok. C'est excellent. C'est excellent. Du coup. Et là, ça mine. Et voilà. Et là, ça récupère de l'iron. Impeccable. Du coup, je vais en mettre un autre là. Je vais en mettre un autre ici. Je sais plus comment j'ai fait. Tchac. Voilà. Il faut viser le filon. Donc lui, il va se mettre à tourner aussi. Donc il n'y a pas besoin de l'alimenter en énergie, a priori il est autonome. Par contre, je crois que quand il arrive à 100, c'est complet. Donc on va en mettre un troisième
peut-être même un quatrième. J'ai deux filons là-bas de cuivre. Du coup, je vais refaire ce qu'il faut pour m'en faire un quatrième. Comme ça, au moins, j'aurai les deux filons là-bas qui seront complètement exploités. Ça, je peux en faire un peu. Ok, super. J'en ai deux. On va se rééquiper quand même avec l'arme. Je vais aller chercher à installer les mineurs portatifs sur le cuivre. Et puis voilà, on sera déjà bien parti. On commence pas trop mal cette partie. Je pense que le spot de départ est pas dégueulasse. Ah, il y a encore un filon là-bas, tiens. J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'iron aussi, décidément. Ok, super. Ok, donc celui-là est impur aussi. Et là. Donc le filon en haut est pur. Et on va regarder ce qu'il y a en dessous. Il est impur aussi. Bon, c'est pas grave, mais au moins ça me fait deux filons aussi vraiment à proximité de ma base. On est juste à côté, on est au-dessus. Donc il suffira juste de descendre. Décidément, en fer là, on n'a vraiment pas à se plaindre. Hein. On a vraiment ce qu'il faut. On va regarder d'ailleurs, on va faire un petit coup de scan, voir si il y en a d'autres plus loin. Donc ça, c'est le filon de cuivre que je vais aller chercher. Donc ça c'est le cuivre, alors je dois être sur le cuivre, c'est peut-être pour ça. Oui, donc 60 mètres ceux qui sont là-bas. Là, 500 mètres, il y en a encore là-bas. Ok, bon, décidément. C'est tout bénef. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à proximité. Enfin, pour le moment en tout cas. J'imagine que sur les... Elle est où? J'imagine qu'après sur les... Les matières premières un peu plus compliquées. Ça sera peut-être un peu plus loin. On verra bien. L'important c'est déjà d'avoir un bon spot de départ. Alors mon cuivre il est où? Il est là. Ok, je suis au-dessus. On va éviter de sauter pour le moment. Là, ça devrait aller, je pense. Ok, ça va, je me suis pas fait mal. Et là, ok, c'est bon aussi. Donc, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Check. Et le deuxième. Check. L'animation est juste excellente, quoi. Vraiment, j'adore. J'adore. Ok, bon, ben voilà, ça c'est fait. A priori, il me reste à construire juste le four dans un premier temps et le connecter. Tiens, il y a un filon là, bien planqué. Qu'est-ce que c'est? Du quartz. Ok. On va prendre ça. Je sais pas à quoi ça sert. Moi, j'en ai vraiment aucune idée, très honnêtement. D'accord, et il n'y a pas de filon dessous. D'accord. Donc là, c'est vraiment juste du minerai pur. Ok. Ok. Bon, mais pourquoi pas. Le quartz, alors j'ai vu personne dans les vidéos que j'ai regardées. Alors, j'en ai pas regardé énormément, mais. Ah, je suis plus équipé. Ah. T'es où? Ouais. Ok. Aïe! Oh. Ça pique quand même. Donc je vous disais, dans les vidéos que j'ai regardées, je n'ai vu personne utiliser du quartz. Donc je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi ça sert. Voilà. Dans mon idée, le quartz, c'est une pierre, on va dire,
je dirais semi-précieuse. En tout cas, je verrais bien utiliser ça dans de l'optique ou quelque chose comme ça, ou de l'énergie pour du laser. Voilà. Je ne sais pas. On verra. Ce sera la découverte. Allez, on retourne à la base. Ah, j'ai pu récupérer du bois aussi, d'accord. Ok. Ok. Je peux aussi récupérer le bois. Super. Allez, je retourne à la base. On va fabriquer notre premier four. Bon, plutôt à proximité, hein. Pour l'instant, c'est vraiment l'histoire de débloquer les premiers éléments. Tout ce qui est vraiment automatisation, ça viendra rapidement, mais pour le moment, on va se compter du strict nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour construire un four? Voyons voir. Smelter. Il me faut. Ah ben j'ai tout ce qu'il faut. Ok, super. Donc j'ai une entrée, une sortie. J'ai une entrée, une sortie. J'ai. Là, je vais avoir de l'énergie. On va le tourner quand même. On va le mettre dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Est-ce que je peux. Ah d'accord, ok. Là, ça vient se caler, ok. On va le mettre là. Et là, du coup, elle devrait me valider. Je peux en faire deux. Je peux en faire deux. Je peux en faire deux. Bon, faisons. On va en faire deux. Ok. Ça, c'est bon. Équiper le portamineur, c'est fait. Construire le smelter, c'est fait. Et utiliser le biomass burner pour amener de l'énergie. Donc j'imagine que je vais avoir besoin de powerline. Que je peux amener ici. Ok, super. Et toi aussi. Non. Missing concrete. Ok, concrete a priori c'est le calcaire je crois ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire du ciment. Et toi il te faut de la biomasse donc si je te donne du bois, ben voilà, impeccable, tu te mets à fonctionner. Ok, on peut l'allumer, l'éteindre. Ok. Et toi du coup tu dois pouvoir prendre. D'accord, on choisit du fer. Ou du cuivre, donc on va faire du fer, c'est ce que j'ai de plus. On lui donne et il me fait des lingots. Ok, impeccable. Super. Super, super. Ben voilà. Alors, du coup, est-ce que je peux faire de la biomasse là? Non. Ok, mais je pense que j'ai à peu près tout. Du coup, est-ce que je peux faire le niveau 2? Ben, il va pas me manquer grand-chose. Donc on va faire ça ensemble et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera déjà je pense une bonne découverte. Il faut un peu de câble. Niveau 2. Ah, il me faut 50 wires. 4, 10, 10 et 50 wires. Ok. Donc, wire. Donc on va pouvoir débloquer le niveau 2. On va récupérer. Ouais, ça va plutôt vite. C'est plutôt sympa. On va pouvoir débloquer le niveau 2 du hub. Alors, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça et de ça. Upgrade. Yes, I. Ok, et là, on doit avoir la pièce. D'accord. Pour l'instant, il n'y a rien, à part des plantes, mais ça, c'est l'arbre qui sont dessous. You have unlocked scanner stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench, respectively. Ok, super. Donc, j'ai. Seventh objective. Hub upgrade, conveyor belts. Note. Use power poles to expand the power network for optimal results. Ok, donc j'ai les pistons électriques. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Ok, j'ai débloqué pas mal de nouveaux bâtiments, a priori, on va regarder ça. Donc les power poles, donc les pylônes. Niveau production, le constructeur qui permet de construire. A priori des objets qui nécessitent qu'un seul élément, donc on va dire par exemple du wire ou du câble ou des plaques de fer et c'est tout, ouais c'est tout pour le moment. Si a priori
dans le scanner, voilà, j'ai le limestone, donc il va me permettre, et j'en ai pas loin là, j'en ai là-bas aussi, et j'en ai là, super, c'est vraiment à côté. Par contre ça me fait un peu flipper là, parce que 180 mètres, on va y aller en courant vite fait, mais pour moi de mémoire je l'avais pas vu, alors après j'ai peut-être pas fait tout le tour de la falaise, mais il y avait la falaise. Donc 90 mètres. Oh, ça doit être planqué dans les. Ça doit être planqué là-dedans. Ou c'est ça? Non. Non, c'est pas ça. D'accord. Elle était cachée là. Effectivement, elle était bien planquée. Bon, j'imagine que ça va être un peu le même délire. C'est ça ou c'est pas ça? Si, limestone, c'est ça. Donc ça va être un peu le même délire. Je pense qu'il va peut-être falloir que je commence avec une foreuse, on va dire manuelle. Enfin automatique, mais qu'on ne peut pas vraiment automatiser. Pour après pouvoir mettre une vraie foreuse dès que j'aurai débloqué ça. Mais est-ce qu'il y a un filon après là? C'est ça qui me... ça que je me demande. C'est assez long à récupérer en tout cas déjà. D'accord. Donc non, il n'y a pas de filon. Ok, donc j'ai récupéré de la limestone, mais il n'y a pas de filon. Donc ça c'est embêtant. D'accord. On va refaire un scan. À 26 mètres, il se fout de moi quoi. Ah mais c'est au-dessus? Non. Je l'ai raté. Alors, je l'ai vu là, mais j'ai pas vu au-dessus. Il me dit que là il y a un truc. Ah, ah ouais, non mais c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est moi qui ai craqué ou quoi? Il y a que dalle là. Il n'y a que dalle. 8 mètres. 5 mètres, 4 mètres. Ouais, donc je suis dessus là. Ça, c'est un arbre. Ok. Bon, je pense qu'il a craqué. Alors, il n'y a pas une caverne ou un truc que j'aurais pas vu. J'aurais vu quand même. Est-ce qu'il y a une... Non, a priori, il y a une lampe, je crois, dans le jeu, mais... Non, mais d'accord, il n'y a pas de caverne. Hein. Il n'y a rien. On va faire le tour vite fait. On serait pas dans une caverne quand même. Ah, un truc qui shine. Super. Un green slug. Ça c'est que du bonus. Là. Pas hyper confiant là pour le coup. Et eh ben si, c'est ça qu'il a vu. C'est ça qui m'indiquait. Super. Ok, donc, mais il n'y a toujours pas de filon. Donc bah, écoutez, pour le prochain épisode, je vais déjà finir de récupérer ça. Essayer de trouver un filon de limestone, mettre je pense une petite foreuse manuelle dessus. Et puis on se retrouvera là pour le prochain épisode. Allez, j'espère que ce petit premier épisode vous aura plu. Il y en a encore ici, décidément. Donc j'ai récupéré tout ça, j'espère que cet épisode vous a plu au niveau mode découverte. Moi en tout cas c'est un jeu qui me plaît vraiment énormément et je pense que je vais y passer pas mal de temps. Et j'espère qu'on pourra partager ça tous ensemble. Donc je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao ciao.